ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Vous savez tous ce qui s'est passé ces derniers temps, qui se passe ces derniers temps seulement, pas seulement ces deux derniers jours. Ces derniers temps, comme trouble en général, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde en général, que ce soit les guerres, les meurtres, les actes terroristes, les assassinats, Allahu musta'an. Certains disent, mais pourquoi à chaque acte vous condamnez? C'est vrai qu'on se lasse de répéter toujours les mêmes choses. Mais c'est notre devoir de conseiller le bien, déconseiller le blâmable, montrer nos positions, éduquer les musulmans à montrer la position correcte à avoir en islam, et éduquer les non-musulmans à comprendre quelle est la vraie position des musulmans, des salafis, des gens qui sont sur la sunna, quant à ces exactions ou bien à ces meurtres. Il est vrai qu'on n'a pas à se justifier, qu'on n'a rien à voir avec ces actes, qu'on n'a rien à voir avec ces personnes, qu'on ne va pas se victimiser et à chaque fois se justifier. Mais il suffit de condamner et montrer nos positions. Ce sera un moyen de faire da'wah, de montrer nos positions et de faire une contre-da'wah contre ceux qui veulent nous diaboliser et mentir sur l'islam et les musulmans. Et c'est pour ça, je conseille à mes frères et sœurs qu'il ne faut pas faiblir, se laisser abattre, qu'il faut garder la tête haute et qu'il faut être fier de pratiquer sa religion et qu'il faut montrer le vrai visage de l'islam, surtout dans ces périodes de troubles. Et la da'wah ne s'arrête pas. L'appel à Allah, avec le comportement, avec la bonne parole au bon moment, le fait de patienter sur les méfaits, sur les vexations, sur les insultes, sur les attaques, ça fait partie aussi de la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous donne la promesse qu'Allah a donnée, qu'il va accomplir sa religion. La promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, que cette lumière elle va s'établir. Bien sûr que l'on est triste de tous les innocents, des enfants qui meurent ou bien qui voient leurs parents mourir, que ce soit dans les guerres à l'étranger, ou ici ce qui s'est passé en France, ou bien aux États-Unis, ou peu importe. Cela n'aide en rien l'islam. Et cela est interdit par l'islam. Alors comment quelqu'un il peut faire ce type d'acte au nom de l'islam? Donc, il ne faut pas se lasser de montrer nos positions, de continuer à pratiquer ce que l'islam nous ordonne de faire, même si en face de nous, les gens ne font pas leur devoir vis-à-vis de nous. Même si en face de nous, on ne nous respecte pas, on nous critique, on nous attaque. Mais nous, on continue à pratiquer ce que l'islam nous ordonne de faire. Et on essaye de répandre le bien autour de nous et de mettre en garde contre le mal. Et la récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré toutes les apparences, celui qui se comporte de la sorte, Allah lui donnera une bonne vie. Et il sera heureux. Il trouvera une tranquillité et un apaisement dans son cœur, alors que tout le monde vit dans la peur. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver des troubles, de préserver les opprimés dans le monde entier des troubles et du mal, de préserver leur sang, leur famille, leur honneur, leur bien, et de préserver les musulmans des attaques de leurs ennemis, et de préserver les innocents non-musulmans aussi, qui n'ont pas à être touchés par ce type d'attaque. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide et nous préserve. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.